Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, Joël Braque nous présente le nouveau roman de Philippe Besson. Joël Braque, bonjour. Bonjour. Alors, ce nouveau roman, De là où on voit la mer, je crois qu'il était très attendu. Oui, absolument. C'est une histoire d'écrivain, ça tombe bien, rentrée littéraire. C'est l'histoire de Louise, un écrivain à succès, qui profite de la villa d'une amie en Toscane pour se réfugier toute seule et écrire. Elle n'a pas le syndrome de la page blanche, comme ça se porte beaucoup dans la littérature ces temps-ci, mais elle a simplement envie d'être toute seule pour capter la réalité et la transformer en littérature au fur et à mesure. Mais au final, je crois qu'elle ne va pas rester toute seule très longtemps. Non, c'est bien ou c'est mal, on peut en juger, mais c'est surtout qu'elle va rencontrer le fils de sa gouvernante, un magnifique jeune homme, étudiant à l'école navale, bel uniforme, le beau gosse dans toute sa splendeur. Elle va bien sûr lui tomber dans les bras et on a l'impression que ça se passe comme dans un film. Seulement, il lui arrive à elle ce qui est en train d'arriver dans son roman. Et là, les choses deviennent assez différentes. Les cartes sont redistribuées et parfois, on n'échappe pas toujours à devoir faire le bilan dans sa vie. Et finalement, ce bilan, c'est celui d'une femme qui passe la quarantaine et ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément facile, mais ce n'est pas si triste que ça. C'est surtout un mariage qui passe les 10 ans, c'est plus grave. Et puis, c'est surtout un livre sur la littérature, sur l'écriture, sur le travail de l'écrivain et sur l'intervention de la fiction dans la vie ou le contraire. Dans quel sens est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle est prophétique ou est-ce qu'au contraire, elle génère de l'actualité dans sa propre vie? C'est très intéressant, d'autant que Besson lui-même, en tant qu'écrivain, s'immisce dans l'histoire d'une façon assez subtile. À découvrir donc très vite, Joël Braque. Merci beaucoup. Merci. Marque Page, c'est terminé pour aujourd'hui. Très belle suite de programme sur la télé.